En fait, au départ, on a deux groupes. On a un groupe de Français et un groupe d'Allemands. Et l'idée, c'est d'à partir de ces deux groupes, de ne faire qu'un seul groupe. Sprachanimation ist ein pädagogisches Konzept, was zur interkulturellen Begegnungspädagogik gehört. Il y a quand même des barrières, il y a des blocages, et le rôle de l'animation linguistique, c'est de faire tomber ces blocages en montrant qu'on peut s'amuser ensemble. On remet en fait le plaisir du jeu, le plaisir de la communication, le plaisir d'être ensemble avant toute chose. Es soll Sprache näher bringen. Es soll Ängste vor der Unkenntnis der anderen Sprache abbauen helfen. Es hat eine gruppendynamisierende Wirkung. L'animation linguistique va être très utile dans les premiers jours de la rencontre pour débloquer et activer les connaissances. Et elle peut être aussi intéressante dans des rencontres sur des thèmes particuliers ou avec des publics spécifiques. Je pense à des jeunes en formation professionnelle, des jeunes musiciens, des sportifs. Et là, l'animation linguistique va être intéressante pour les aider à rassembler les mots, les expressions qui vont être utiles pour la rencontre. Wir versuchen die Kommunikations- und sprachlichen Kompetenzen zu vermitteln, die die Schüler dann später auf dem Spielfeld brauchen. Dann die Perspektive ist, dass sie das, was sie auf dem Spielfeld erleben und praktizieren, in ihre Freizeit übertragen. L'animation linguistique me montre que je peux dessiner quelque chose quand je ne comprends pas, que je peux le mimer pour me faire comprendre, que je peux utiliser les onomatopées, les gestes, etc. Pour pallier un manque de communication. Donc c'est montré aussi par l'animation linguistique que la communication ne passe pas uniquement par les mots. Un des principes de l'animation linguistique est de faire vivre des situations légères, des situations détendues, des situations drôles où tout le monde va rire. Für meine Begriffe ist das deutsch-französische Jugendwerk die Institution, die Arbeit koordiniert, Informationen bündelt, Impulse gibt, die Partner unterstützt bei ihrer Arbeit, überhaupt Begegnungen auch möglich macht, die Sprachanimation mit ins Zentrum der Begegnungen stellen und auch die Partner dabei unterstützt. Sprachanimation stellt einen der roten Fäden in der Begegnung dar. Wenn ich mir ein Projekt von einer Woche vorstelle zu einem bestimmten Schwerpunkt, ist Sprachanimation jeden Tag als Konzept präsent, das das Thema der Begegnung auch bedient. Und dieses breite Repertoire der Methoden aus der Sprachanimation bietet auch die Möglichkeiten dazu. Donc, je crois vraiment à tous les âges, pour tous les types de groupes qu'on peut avoir, l'animation linguistique a un vrai sens. Le jeu est le moyen qui fait passer les objectifs de l'animation linguistique, mais le jeu n'est pas le but en soi.